C'est très beau, effectivement, le Morbihan. C'est un cygne de Marmelot et Cobalt de Parachma. Alors, Marmelot est un nom assez rare, puisque la Chimène Amont, qui avait élevé ses frères de talons dans l'Ouessora, le grand bourgeon, fille de Duc de Marmelade, magnifique cheval, Marmelot, vainqueur du prix Maurice Deneuil, entre autres. Et c'est un même mieux encore, il a remporté deux fois le prix Pierre Gorlet, qui est une épreuve sur la longue distance en été, en moyenne de la Louville, d'autant plus convoitée qu'on prépare désormais la Melbourne Cup, qui sera plus vieux et riche. Melbourne Cup. Sous chaque UPS, qu'on connaît par cœur, on va pouvoir marcher, messieurs, okay, mesdames. Oui, qu'on connaît par cœur, puisque c'était à la base, c'est une famille de chez Michel Jeune-Prêt, qui nous a donné Thallium, Radium. Pour des tickets de Black Tide et Ira, et puis plus récemment, Yvon Sebrin, qui a été la première Black Tide de Triton. Placé Black Tide, en tout cas, c'était sa première, l'entraînement de Donatien de Bourgard. Voilà, Marmelot, qu'on va voir trotter désormais. C'est un cheval qui a un gros engagement ou pas, on va voir s'il en est au trot. Alors Marmelot, qui était un grand cheval avec beaucoup de rayons, comme celui-ci semble l'être, très abondant.